Dans le cadre de la transformation et de la valorisation des produits agricoles locaux, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIORCA, en collaboration avec l'École supérieure d'agronomie, ESA, de l'Institut national polytechnique Oufouette-Boigny, INPHB de Yamoussoukro, a installé au sein de l'INPHB une unité semi-industrielle de production de farine locale de haute qualité. Du projet WAP, qui est le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, que nous avons exécuté au FIORCA entre 2011 et 2016. Et il y avait dans ce programme un volet sur la transformation des produits agricoles. Donc c'est ainsi que nous avons conduit un projet de production de farine locale, principalement la banane plantain, le maïs et le manioc, pour ajouter à la farine de blé pour faire du pain. Et ce projet, qui a été conduit pendant 3 ans, a eu un succès auprès des boulangers et des pâtissiers. Et nous nous sommes rendus compte que la contrainte, c'était la disponibilité de la farine pour pouvoir continuer au-delà du projet. C'est ainsi que l'idée nous est venue d'installer une unité à Yamoussoukro dans le cadre de nos partenariats avec l'École supérieure d'agronomie et l'Institut national polytechnique. Une unité que nous avons fait venir grâce à la collaboration du PPAO Nigeria. Cette unité a été fabriquée entièrement au Nigeria et elle a été donc montée dans cet établissement. Je dirais vraiment merci au FIORCA d'avoir installé cette unité à l'ESA, parce que l'ESA est une école de formation, une école d'élite. Avec cette unité, ça permettra d'améliorer en plus nos cours, ça permettra de former des techniciens et des ingénieurs hautement qualifiés. Depuis la mise en place de l'unité il y a bientôt 1 an, nous avons vu passer plus de 10 étudiants ici qui ont fait leur mémoire de fin d'études. Cette unité de transformation produit des farines de manioc, banane plantain, patates douces et igname. Afin de contribuer à la réduction des pertes post-récolte des cultures vivrières estimées à plus de 40%, le FIORCA, avec la contribution des différents instituts de recherche scientifique en technologie de conservation et de transformation, ont mis au point des procédés innovants pour obtenir des farines raffinées de haute qualité, valorisant ainsi les cultures telles que l'igname, la banane plantain, la patate douce et le manioc. Le premier objectif, c'est de produire de la farine pour mettre à la disposition des utilisateurs, qui peuvent être soit des boulangers, soit des pâtissiers, ou même des commerçants. Le deuxième objectif, c'est de montrer aux entrepreneurs locaux, aux investisseurs locaux, qu'une telle activité, qu'un tel investissement est possible et rentable en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a un besoin. Donc en produisant, nous avons un volet pour faire en même temps la promotion des farines. Donc nous faisons la promotion des farines auprès des investisseurs, mais également auprès des utilisateurs. Et puis le troisième objectif, c'est un objectif de formation avec la possibilité pour les jeunes qui sont dans cet institut de faire des stages et pour les professeurs d'utiliser cette unité comme unité de démonstration pour la formation de leurs étudiants. Cette unité de production de farine locale, en plus de réduire les pertes post-récolte, contribuera à terme à améliorer les revenus des différents acteurs des chaînes de valeur de l'igname, du manioc, de la patate douce et de la banane plantain. Pour nous, les vendeurs d'igname, c'est une bonne chose parce que l'igname qui est un denrée pourrissable et avec la transformation d'igname en farine, ça va permettre les consommateurs d'avoir ces farines auprès d'eux pour une longue durée. Et puis nous les vendeurs, pour qu'on puisse avoir des bénéfices, des retombées plus consistantes encore. Pour les producteurs, ça va les permettre d'évacuer les produits au niveau sur le marché. L'expérience de la production et de la valorisation des farines locales de haute qualité servira de base pour la mise en place d'un centre d'incubation d'entreprises agricoles au profit des opérateurs privés.
Cette initiative, qui revêt un caractère national, bénéficie du soutien de plusieurs acteurs, tels que l'ensemble des acteurs des cultures vivrières, notamment les acteurs des filières manioc et banane plantain, et les associations des fédérations de boulangers, pâtissiers et cuisiniers de Côte d'Ivoire. Ainsi, depuis août 2018, l'unité de production des farines locales de manioc, banane plantain, patates douces et ignames est fonctionnelle avec une capacité de production de 30 tonnes par mois. Au niveau de notre unité, nous avons à cœur de préserver la qualité nutritionnelle de ces différentes farines. Et également, nous disposons d'équipements qui nous permettent d'avoir des farines au niveau de technologie qui sont aptes à être utilisées pour faire toutes sortes de produits de boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, en cuisine également et pour faire les biscuits, en substituer partiellement ou totalement à la farine de blé. En effet, le processus de production de la farine de banane plantain comprend le lavage des doigts de la banane plantain, le blanchiment, l'épluchage, l'émottage, le séchage, l'affinage et le conditionnement de la farine produite. La production de la farine de manioc suit des étapes suivantes. L'épluchage, le lavage, le broyage, l'essourage, l'émottage, le séchage, l'affinage et le conditionnement de la farine produite. Pour produire la farine d'igname, tout commence par l'épluchage des tubercules, suivi par le lavage, la cuisson, l'émottage, le séchage, l'affinage et le conditionnement du produit fini. La farine de patate est obtenue à l'issue de différentes étapes que sont le lavage des patates avec la peau, le découpage, le lavage, le broyage, l'essourage, l'émottage, le séchage, l'affinage et le conditionnement de la farine. Nous sommes ici à l'étape de séchage. Nous, notre souci ici, c'est de produire de la farine qui va garder toutes ses caractéristiques organoleptiques et biochimiques. Pour ce faire, nous utilisons ici un séchoir flash dryer qui va sécher notre farine à 100 degrés, qui va sortir en environ 15 secondes. On va obtenir de la farine qui va garder toutes ses caractéristiques organoleptiques et tout son odeur et tout son arôme. Les farines locales obtenues sont naturellement sans gluten, raffinées, non fermentées, fines et inodores, produites à partir de matières premières rigoureusement sélectionnées, fraîchement récoltées et rapidement traitées. Ces farines locales ont une composition naturelle essentiellement riche en glucides et en fibres alimentaires avec de faibles teneurs en matières grasses, facilement digestes. Mais c'est surtout pour son caractère sans gluten qu'elle est très appréciée. En termes d'utilisation, les farines locales de banane plantain, igname, patate douce et manioc constituent une bonne alternative à la farine de blé à laquelle elles peuvent se substituer partiellement ou totalement pour la confection de pains, de gâteaux, de viennoiseries, de biscuits, de pâtes décor, de couscous, de beignets, de pâtes alimentaires et de base pour la formulation de farine infantile. Elles peuvent également être utilisées pour la standardisation des mets traditionnels ivoiriens tels que le foutou, le foufou, le congodé et autres, etc. Le gérant, les chercheurs et les techniciens de l'unité de production de farine locale de l'INPHB ESA de Yamoussoukro sont disposés à accompagner tout promoteur intervenant dans la production et la valorisation des farines de banane plantain, igname, patate douce et manioc et autres produits agricoles en Côte d'Ivoire. Je souhaite lancer un dernier appel, un appel à tous les investisseurs qui souhaitent s'installer dans le domaine de la transformation de la farine, qu'ils se rapprochent de l'ESA, qu'ils se rapprochent des responsables de l'unité pour qu'ensemble nous puissions les aider à atteindre leurs objectifs. Aussi aux boulangers et aux pâtissiers, nous lançons un appel pour dire que nous faisons des farines de qualité à l'ESA ici, qu'ils puissent se rapprocher de nous pour avoir cette farine de qualité qui a une haute valeur ajoutée, qui est de très bonne qualité et qui est aussi moins chère. En plus de produire et mettre à marché les farines locales, l'unité de production locale fait des prestations de services pour le traitement de tout féculent, racines ou tubercules en farine à la demande d'éventuels partenariats.
L'objectif majeur est de nouer des relations commerciales pour le positionnement de ces farines bio, sans gluten, made in Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens et même les étrangers qui vivent avec nous puissent investir sur le maillon de la transformation. Parce que si nous investissons sur le maillon de la transformation, nous allons diversifier les produits transformés. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend le manioc, en dehors de la tiéké et du placali, nous ne faisons rien d'autre. Alors que le manioc, nous pouvons faire beaucoup de choses, notamment de l'amidon alimentaire ou de l'amidon industriel. Nous pouvons faire de l'alcool, nous pouvons faire de la colle, nous pouvons faire beaucoup de choses. Et si nous investissons sur la transformation, je pense que ça va permettre de développer la production agricole et partant de développer le pays parce que la majorité des habitants de ce pays vivent en milieu rural et sont des agriculteurs.